vous verrez, Seigneur, comment je sais moi-même accompagner ma danse. Mettez-vous là, Don José. Ritornata a casa
a te vo dire, a te di testi. Madame
Oh,
Ici. Ceux qui ont sommeil pourront dormir pendant une demi-heure. Je vais voir s'il y a moyen de faire entrer les marchandises dans la ville. Une brèche s'est faite dans le mur d'enceinte et nous pourrions passer par là. Remendado ! Eh ? Debout, tu vas venir avec moi. Mais patron... Qu'est-ce que c'est ? Voilà, patron, voilà. Allons, passe devant ! Et moi qui rêvais que j'allais pouvoir dormir. C'était un rêve, hélas. C'était un rêve. Voyons, Carmen. Si je t'ai parlé trop durement, je t'en demande pardon. Faisons la paix. Non. Tu es le diable, Carmen. Oui. Qu'est-ce que tu regardes là? À quoi penses-tu? Je me dis que là-bas, il y a une bonne vieille femme qui croit que je suis encore un honnête homme. Une bonne vieille femme? Oui. Ma mère. Ta mère? Eh bien, tu ne ferais pas mal d'aller la retrouver. Carmen! Si tu me parles encore de nous séparer... Tu me tuerais, peut-être. À la bonne heure. J'ai vu dans les cartes que nous devions finir ensemble. Tu es le diable, Carmen! Mais oui, je te l'ai déjà dit. Oh,
Eh bien ? Eh bien, j'avais raison de ne pas me fier à l'île Aspastia. Nous avons aperçu 3 douaniers qui gardaient la brèche. N'ayez pas peur, Dancaire. Nous vous en répondons de vos 3 douaniers. Carmen ! Oh, tu vas nous laisser tranquilles avec ta jalousie. Tu vas te placer là, sur cette hauteur. Dans le cas où tu apercevrais quelqu'un, passe ta colère sur l'indiscret. En route alors ! Mais vous me répondez vraiment de ces 3 douaniers. N'ayez pas peur, Dancaire. Nous y sommes. C'est ici ? Oui. Vilain endroit, n'est-ce pas ? Et pas rassurant du tout. Je ne vois personne. Ils reviendront bientôt. Ils n'ont pas emporté toutes leurs marchandises. Prenez garde. La Deller doit être en sentinelle. Et si l'on nous apercevait ? Je l'espère bien qu'on m'apercevra. Puisque je suis venue ici justement pour parler à un de ces contrebandiers. Eh bien, vous pouvez vous vanter d'avoir du courage. Venir ainsi affronter ces bohémiens ? Je n'aurais pas peur, je vous assure. Bien vrai ? Bien vrai. Alors je vous demanderai la permission de m'en aller, si ça ne vous fait rien. J'irai vous attendre à l'auberge au bas de la montagne. Vous restez décidément ? Oui, je reste. Que tous les saints du paradis vous soient en aide alors. Mais c'est une drôle d'idée que vous avez là. Avait raison. L'endroit n'est pas bien rassurant. Je t'ai, qui est pour vanter, je t'ai la
Je ne me trompe pas. Sur ce rocher, c'est Don José. José ! José ! Mais que fait-il ? Il arme sa carabine, il ajuste, il fait feu ! Oh mon Dieu, j'ai trop présumé de mon courage. Quelques lignes plus bas, et ce n'est pas moi qui aurais eu le plaisir de combattre les taureaux que je suis en train de conduire. Qui êtes-vous ? Répondez ! Et là, doucement. Je suis Escamillo, torero de Granada. Escamillo, c'est moi. Je parlais votre nom, soyez le bienvenu. Mais vraiment, camarade, vous pouviez y rester. Je l'ai mais je suis amoureux, mon cher, à la folie. Et celui-là serait ton pauvre compagnon.
À toi, Carmen, je suis là de souffrir. En route, il faut partir. En route, il faut partir. Halte, quelqu'un est là qui cherche à se cacher. Une femme, pardieu, la surprise est heureuse, Micaëla. Come on.
Escamillo est ici. La Carmencita ne doit pas être loin. Ah, c'est Escamillo maintenant. Et son ancien amoureux José, qu'est-il devenu? Il est libre. Pour le moment. Je ne serai pas tranquille à la place de Carmen. Je ne serai pas tranquille du tout. Thank you.
et pourquoi, s'il te plaît? Il est là, qui dort? Lui, pas José, dans la foule, il se cache, regarde. Oui, je le vois, regarde. Je ne suis pas femme à trembler devant lui. Je l'attends et je vais lui parler. Thank you.
Laisse-moi, Carmen, sans moi que tu ne suivras. Laisse-moi, Don José, ne te suivrai pas. Qui parle tout fait, dis,